Bonjour les amis, c'est GMT. Je vous présente ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube GMT Tech. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un déballage des écouteurs intra-auriculaires Bluetooth. Donc il s'agit des écouteurs que voici, K6H de la marque Dacom. Voici la boîte. Made in China, bien sûr. Donc, Long Life Battery, Super Mini, Intelligent Charging et Secure Fit Design. Donc, Bluetooth version 4.1. Et moi, j'ai pris la version Black. Mais ils existent aussi en version blanc. Donc voilà les écouteurs. Qui, ma foi, sont assez bien finis. Donc là, vous avez les deux broches pour la recharge. Deux broches magnétiques. Donc vous avez un bouton ici ainsi qu'un micro. Les écouteurs sont équipés d'une batterie de 60 mAh. Ce sont des écouteurs binauraux et sont présentés comme des écouteurs HD. Donc l'autonomie est donnée pour 7 heures environ d'écoute. Le temps de recharge est indiqué d'environ de 1 à 2 heures. Voilà. Donc, voici l'autre. Par contre, il n'y a aucune indication pour voir s'il s'agit de la droite ou de la gauche. Donc, dans la boîte, nous retrouvons la notice, donc une notice en anglais et en chinois. Deux paires d'embouts de rechange, deux tailles différentes, et enfin la station de recharge qui est équipée d'une batterie mais de 1100 mAh. Donc vous pouvez recharger environ 9 fois vos écouteurs. Donc ici il y a un câble USB. Voilà. Pour recharger la station. Bon, c'est un plastique d'assez bonne qualité.
Donc ici on retrouve le logement pour les écouteurs avec les broches magnétiques pour la recharge. Donc les écouteurs se placent automatiquement. Voilà. Donc ici vous avez le bouton pour la recharge. Donc là, on voit la lumière rouge qui nous indique que les écouteurs sont bien en train de recharger. Donc, ce sont des écouteurs binauraux, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir individuellement. Donc nous allons essayer de les appairer à mon smartphone. Donc on reste appuyé sur le bouton jusqu'à que la lumière rouge et bleue clignote. On fait de même sur l'autre écouteur. Voilà, donc je prends mon smartphone. Donc, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Donc, ça n'a pas l'air de fonctionner. Désolé pour l'attente. Voilà, ils sont enfin disponibles. Voilà, les écouteurs sont connectés. Donc, on peut essayer une vidéo sur YouTube. Donc, on a bien la batterie qui apparaît dans la barre de notification du smartphone. Donc, j'en prends une au hasard. Ma foi, le son est pas mal. Voilà. Donc, vu le prix, moi je trouve ces écouteurs bons dans l'ensemble, mais à voir dans le temps ce que ça donnera par rapport à l'autonomie. Merci d'avoir regardé la vidéo.
et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. À bientôt.